jeu qui met 5 ans à pop. Attendez. Je teste un truc. Hein. Ok, c'est pas le bon. Voilà. Là, on a le bon truc. Donc, si je fais ça. Bonjour tout le monde! Nice! Nice, nice, nice! Comment ils vont? Comment ils vont les BG? Je m'installe bien. Je me mets bien. Alors, faut pas que je me mette trop. Voilà, faut que je me mette comme ça. Sinon, ça décale. Je peux faire ça parce que sinon, c'est chelou. Je peux m'agrandir, hein. J'ai l'air un peu petit. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me paraît correct. Comment ils vont? Hop, on est bien, on est bien. Je pense qu'on est bien. Yo Kenjipe, yo Purpity, yo Matt, Lorne, Robino. Bienvenue Robino. Et Valinox qui risque pour le 19ème mois. Le monstre. Il a trop de badges, Valinox, c'est une folie. Hein. C'est qui encore en vacances? Let's go, Valinox. Profite bien, mon gars. Profitez bien, ceux qui sont en vacances. Profitez bien, profitez bien. Paléo aussi. Il y a Zodiac, il y a Toaku. Il y a Zorax. J'espère que vous allez tous bien. Et Hunter, évidemment. Que serait un stream sans Hunter? Moi, ça va bien, ça va bien. J'espère que vous êtes en forme. Hop. Mon streamer reste, je suis gentil, let's go, let's go. Je peux pas entendre, dommage, je suis dans une salle d'attente et j'ai oublié mes écouteurs. Aïe, 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 je te fais coucou, Paléoraptor, je te fais coucou. Ah non, j'arrive, ça parle de vacances. T'es en forme, c'est vendredi, voilà, non mais dans tous les cas. Même si vous voyez, vous êtes pas en vacances, normalement, au plus tard ce soir, vous êtes en week-end. Après, il y a ceux qui travaillent le samedi et tout. Force, hein, force. Travailler le samedi, c'est... voilà. Et je connais des gens, dont ma daronne, qui travaillait le dimanche. Rendez compte, travailler le dimanche, non mais c'est une folie. Donc, le week-end fait plaisir, mais force à ceux qui travaillent le week-end, parce que bah, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, aujourd'hui... Ouais, non, c'est chaud. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va... en gros, j'avais une idée de concept pour la vidéo de demain. Je savais pas quoi faire. Je me suis dit, il y avait un truc qu'on avait fait il y a... Enfin, je l'avais pas fait en stream, j'avais fait juste une vidéo comme ça. Petit concept à la con que j'avais fait sur Dragon Ball Kakarot. C'était à chaque fois que je me fais toucher sur Dragon Ball Kakarot, je jouais des personnages, et à chaque fois que je me faisais toucher, la vidéo, elle s'accélérait. Jusqu'à, au bout d'un moment, la vidéo, elle allait trop vite, c'était n'importe quoi. Mais les gens avaient bien aimé, c'était complètement débile. Et là, je voudrais faire la même chose, sauf qu'on va le faire sur Xeno. Et en gros, le principe, ça va être quoi? C'est qu'on va jouer plein de versions de Goku. En fait, on a 1 milliard de versions de Goku en mode. Donc là, on a du Goku Freezer, du Goku Bardock, du Goku Arc Namek, on a du Goku modé, on a du Goku Grand Prêtre, enfin... Vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Il y a Goku accroupi, tu vois, qui a pas envie de se battre. Et en gros, on va affronter Moro. Et si, à chaque fois qu'on va perdre, on va essayer d'abord en perdant. Si on voit que c'est trop facile, on changera peut-être que... Je sais pas, on trouvera un truc. Ou alors, je mets l'IA ultra vénère. Avec l'IA ultra vénère, je suis même pas sûr d'y arriver avec certains persos. Hein. Est-ce que je mettrais pas l'IA ultra vénère, les gars? Ça sera peut-être plus compliqué. C'est Goku. Non, le Capsule Corps Goku, ils sont tous bien là. J'aurais pu, ça aurait été drôle, mais non. Yo Camisette, yo. Je sais pas si je mets. Je pense qu'on va mettre l'IA ultra vénère. On va faire un combat, vous savez quoi? On va faire un combat test avec un Goku, voilà. Goku GT, et on va voir comment ça rend. Est-ce que c'est vraiment dur? On va prendre des maps au pif, on s'en fiche. Et en gros, voilà, à chaque fois que je perds. La vidéo YouTube va s'accélérer, évidemment ça marchera pas sur le stream. Donc c'est un chouille moins intéressant. Donc on va voir avec Moro classique, est-ce que c'est compliqué? Tu dégages! Alors il a une transo, ouais il a une transo en SSJ4 ce Goku. On va voir ce que ça donne. Ok il TP.
On va essayer de le baiser. Le moveset de Kid Goku GT, je le connais absolument pas. Allez. Bah alors. Ah. Sachant que j'ai l'impression qu'en ce moment, les bots, ils sont ultra vénères, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as un Goku Arc Moro? Ouais, j'en ai un. De toute façon, si après, on a gagné trop souvent, on cherchera d'autres modes. Donc si vous avez des liens, je vous demanderai de les balancer. Pas maintenant, mais peut-être après. Ça me paraît relativement tranquille, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouah, bâtard, c'est bon. Ah, tu sais quoi? M'a saoulé. Si, la transo. Si, j'aime bien. Il perd son t-shirt et tout. Ah oui! Non mais ok! Putain, je m'en rappelais plus. Ça va être trop stylé cette vidéo, on va retrouver plein de modes. Ok. Est-ce qu'on a d'autres attaques? Ah oui, on a d'autres attaques! Attention! Fuis! Ah, ça touche dans tous les cas. Ah! Ouais, l'IA ultra vénère, je pense que ça va être pas trop mal. Parce que nous, on va pouvoir faire des trucs comme ça. Alors, faut que je me souvienne comment je fais. Voilà, je crois que c'est comme ça. Non, pas du tout. Alors, comment on fait? 1, 2, 3, 4, 5. Comment on fait pour stamina break avec lui? Stamina break facile. Non, mais ça va! Abuse, j'ai dit! Vas-y! Ouh! Allez! Ah, on fait mal. Après, c'est Moro, hein. Il a énormément de PV, donc ça peut être très tendu. Hein. Allez! Non! Ça va être vraiment notre pire ennemi dans cette vidéo. Mais ça va le faire. Ça touche? Tous les jours de l'année. Putain, la vie qu'il a, Moro. Je sais pas si c'était le meilleur adversaire à faire. Hein. Moro, il rigole tellement. Ah. Non! Ah, si tu commences à faire ça, Moro. Non, je sais plus comment on stun, c'est une folie! Oula! Oh merde! Reviens! Ça touche! Oh, le Liu Kang! Oh putain! Ah oui, d'abord. Excuse-moi. Le mec a pris cher. Ouais, je pense qu'on va augmenter la difficulté. Hein. Tu vois, mon Goku, il est pas si fort à part dans ses techniques et... Et on craint pas grand-chose. Ouais, surtout s'il fait ça à l'infini. Un peu débile, on va pas se mentir. Je pense qu'on va augmenter la difficulté. Oh, merde. Olé. Oh la loose. La loose du perso. Antilope, comment il va? Ok. Merde, j'ai relancé. C'est pas grave, de toute façon on va ajouter la difficulté. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était Cross versus IA, un truc comme ça. Cross versus IA. Voilà, c'est ça que je veux mettre. Comme ça on va avoir l'IA bien vénère. Et la vidéo n'aura aucun sens. Je vais me faire déchirer en 2 secondes. Ok, ça repart. Ça va être sympathique. Bon, pour le stream, ça va être surtout on redécouvre des modes Goku. Hein. Peut-être que certains vont en découvrir. J'ai installé tout ce que j'avais sur mon PC. Hein. J'ai fait, oh Goku, j'installe. Oh un Goku, j'installe. J'ai pas réfléchi. Je m'en fous, il y a Goku, on installe. J'ai vraiment pas réfléchi. Yo le faux Johan, bienvenue mon gars. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bot. On teste qui là comme perso? On teste pas en gros pour ceux qui viennent d'arriver. Ce qu'on fait c'est qu'on... En gros on joue des Goku contre Moro. Et j'enregistre en même temps. Et la vidéo ça sera... si je meurs avec Goku, la vidéo s'accélère. Voilà, et à la fin de la vidéo, du coup, ça ressemblera plus à rien. C'est un truc que j'avais déjà fait sur Dragon Ball Kakarot.
Yonelson. Et Hugo Gigra. Il y a tout le monde, il y a tout le monde, ça fait plaisir. Alors. Ça part. Donc là, là ça rigole plus. On a les IA ultra vénères. On va pleurer du sang. Let's go. Est-ce qu'on fait dans l'ordre ou vous voulez des Goku en particulier pour commencer? Je sais pas. Là je les ai installés dans... Je l'ai pas... Enfin pas dans l'ordre, mais j'ai installé les premiers que je trouvais. Donc est-ce qu'on fait de celui-là et on continue, etc. pour pas se perdre? Ou alors vous en voulez en particulier? Ça n'a pas de rapport au concept, mais tu fais pour tester. J'ai changé de phrase en plein message. J'imagine que tu veux que je teste des persos DBH. En soi, des fois j'en teste, mais après il y en a qui sont pas ouf. C'est pour ça que. Enfin, en fait, s'il y en a des biens, je les teste. Sinon, bah s'ils sont pas ouf, je vais pas les tester. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur des persos Super Dragon Ball Heroes. J'en ai déjà fait. Allez voir la playlist, hein. Il y a une playlist avec tous les mods Xenoverse. Vous trouverez forcément un truc qui vous plaira. Hein. Ouais, dans l'ordre, comme ça on se perd pas. Il est pas bug Goku 8 Arc Moro? Aucune idée. Hein. Moi je vous ai dit, hein, j'ai tout installé au pif, mon gars. Au pif. Ouais, dans l'ordre. Allez, let's go dans l'ordre. Et ben on commence par ce Goku. Ah oui, il a la cicatrice et tout, putain, c'est stylé. CRP contre Moro. Premier combat, full RP. Le Moro est ultra vénère. Ça part, hein. Ça part de là. Ok. Je rappelle le concept. Si je meurs contre Moro avec Goku, la vidéo s'accélère. Alors je sais pas. Wouah! Comment il essaie de me baiser dès le début! Oh, j'ai pas mal de vie là en vrai. Ça me va, ça me va, ça me va. Pourquoi j'ai l'impression que je peux pas dash? C'est quoi ce Goku asthmatique là? Ah! Mais il est lent ce Goku, c'est quoi? Non, 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 c'est moi, c'est juste moi qui sais pas jouer, ok? Ok, ok. Bon, il est censé être énervé le bot, hein, mais... Ok, ok, j'ai une transfo. Sympa. Ah, il a tenté... Ah là là, ça va être chaud. Oh non. Non, mais je vais pas mourir premier fight. Je vais quand même pas mourir premier fight. Je peux me transfo ou pas? Non. Et il est trop chaud. Oh! Résistance au coup. Vas-y, charge, charge, charge. Ok, il est con, il est con. Il est con, il est con. Eh, hey, il a pas le même moveset que le Goku de base, hein. Oh, mais comment il l'esquive? Ok. Ultra instinct? Tu ne peux rien faire, Moro. C'est terminé. Non, mais c'est quoi cette transfo de zinzin? C'est bon, je suis ready. Ok, là, on récupère le moveset du... Du coucou, ouah, non mais l'abus. L'abus. Mais frérot. Ouah, non mais il est trop chaud. Ouah, la vidéo va être plus courte que prévu, je vous le dis. Le but, évidemment, c'est d'avoir les 8 minutes, hein. Pour être bien monétisé, parce qu'on adore l'argent. Il a un ulti spécial, il a l'extrême explosion. Faudrait le caler pour être bien. Oui. Extrême explosion, tu es fini, Moro. C'est nul. C'est bugué. Wouah, non mais il est trop chaud, il fait des feintes de zinzin. Ah, il TP même pas. Je suis mort, je suis mort. Ok, il a essayé de me stamina break. Oh, il esquive. Ok, je commence à être chaud, je commence à être chaud. Non, 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 il a de la prio, il a de la prio, c'est abusé. Il essaye de me tuer avec des Kikoa, il essaye de me tuer avec des Kikoa. Ah, ça marche pas, ça marche pas. J'ai vraiment perdu à cause d'un bug. Donc là, normalement, la vidéo est un peu accélérée. Je sais pas comment ça rendra, hein, mais... Oh, c'est terrible. C'est juste une explosion, j'ai trop le seum de là.
L'attaque était trop nulle. Est-ce qu'on peut dire que c'était RP? Je sais pas, mais... On enchaîne, hein. Là, c'est le drame. Première game qui flop. Hein. Ça, c'est que Moro a pas l'air de bugger, vous savez, en mode « Oh, plus envie de me battre ». Je viens de dire bonjour et aussi au revoir. Bah les deux, du coup. J'espère que tu vas bien quand même. Allez, autre Goku Arc Moro. Alors, je crois que lui, du coup, c'est le début de l'Arc Moro, donc... Bah du coup, je suis juste censé me faire soulever, si je comprends bien le principe, là. Oh, non mais les esquives qui calent, mon gars. Il va me falloir des persos vénères. Hein. Sinon, jamais on s'en sortira. Le mec est trop chaud. Je peux pas esquiver. Je vais me laisser taper, tant pis. Hein. Tant pis. Ok, j'ai l'esprit Saiyan. Ok, go, 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 go. Ok, tant pis. Non mais attends! Heureusement que Goku il a une retournée de zinzin. Oh là 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 là, mais il a trop de vie en plus, il a trop de vie Moro. Regarde-moi ça, il se fout de ma gueule. Gros nul. Non, c'est moi le gros nul au final. Oh, j'aurais tellement pu le punir. Il prend rien. Oh, je suis trop nul en plus. Je fais que de la D. Je suis pas fan de ce Goku. On va pas se mentir. Ah! Mais l'allonge qu'il a! Wouh! Ok, il est nul. Ok? Non! Au secours! Ah, j'ai même pas pu me transfo. Ah bon, les Goku Arc Moro, c'est un gigaflop. Hein. Gigaflop. Hein. Oh, il est trop chaud le bot, faut que je me concentre là, attends. Il est trop chaud. C'est quoi mon prochain? Oh, il est mort. Il est mort tous les jours de l'année. Alors celle-là, c'est win. La vidéo va être en fois 1000. Celle-là. Je me coupe une couille si je gagne pas. Oh là, entre en scène et tout. Ok, vas-y, viens. Oh bah non. Oh bah mince alors. Tu feras gaffe, tu m'as pas touché. Il peut me toucher ou pas quand je fais ça? Ah, il kiffe pas en tout cas. Hein. Il kiffe pas la blague. Ok. La chope. Ah! Ok, tu veux jouer? Faut que j'arrive à le choper déjà. Hein. C'est le concept. Ouah, non mais la retournée de zinzin que j'ai. T'es mort. C'est bugué, non! Il est bugué! Vas-y. Par. Vas-y, fonce. Ok, on le voit pas, mais ça marche. Je crois que si je fais ça, il est mort. Vas-y, fume-le. C'est terminé! Voilà. le tricheur. Eh, c'est une technique. C'est une technique, moi, voilà. Pas d'accélération pour ce combat, voilà. Bisous. Match.
fera un rematch si vous voulez. Ouais, s'il y a perso pété, il y a perso pété, les gars. Moi, je prends tous les Goku. Bon, Goku Ultra Instinct. Je crois que c'est celui d'Unleashed. Donc, il est sympa, mais il faut faire gaffe avec l'endu quand on est en Ultra Instinct. Ça peut vraiment être à double tranchant, donc... À tout moment, déjà, je fais nimp. Non, mais abuse. Oh, mais les esquives qui tapent. Frérot! Je sais pas c'est quoi mes attaques. Ok, j'ai un counter. Ok. Ça me permet de récupérer mon enduit, c'est pas mal. Si je... Par contre, j'ai tellement pas de vie. Frérot, je fais des attaques! Ah ouais, mais là, il est en train de me bousiller mon enduit. Oh, let's go! Olé! Oh! Il peut pas me toucher quand je fais ça, si? Ah, il aime pas, c'est que... Non! Non! Il me tue pas! Oh la vache! Je suis mort! Alors, je sais pas ce qu'il a tenté... Mais ça me va. Ok, je tente. Fonce! Ah, dommage, il est pas passé. Ok. Je tente. Je suis trop con. Ça fait deux fois qu'il me baisse comme ça. Oh, je suis trop con. Ouais, forcément, quand on triche pas... Hein. Ah, je suis giga concentré, ça suffit pas. Goku Ultra Instinct. Eh, je pouvais le transfo, merde, le con. Bon, alors lui, si je gagne. Ouais, j'ai vu, je crois que vous avez mis triche ou pas, et oui, c'était considéré comme triche. Bah, après, voilà, je suis le streamer, c'est moi qui décide. Tout le monde est d'accord, t'as triché. Mais du coup, enfin, ça change quoi? Enfin, attendez les gars, enfin, c'est... Ça change quoi? M'expliquer le principe. C'est un skill du perso les gars, hein. C'est... ça change quoi que j'ai triché? C'est... À refaire, d'accord, mais du coup, enfin... Puni, ouais, c'est ça, vous voulez que j'offre un sub en fait. Bande de rats. En plus, bizarrement, ceux qui demandent des sub-gifts, bizarrement, ils ont jamais pris un sub. Toujours un sub-gift qu'ils ont eu. Bande de rats, là. Oh, merde! Oh, c'est con, ça! Juste du coup, au montage, et c'est réglé. Voilà, c'est... C'est... Non, mais... écoutez, bah, pleurez, hein. Écoutez, si vous voulez que je vous dise. N'hésitez pas à pleurer dans le chat, du coup. Parce que j'ai triché. C'est un skill du perso, les gars. Bref, dans tous les cas, j'ai perdu ce combat. Je fais absolument zéro dégâts. Allez! Abuse. C'est pas grave, je me fais taper. C'est pas grave. Je pense que je peux me transfo, honnêtement. Ok, je me transfo. Ah, si, la transfo. On voit que des trucs de zinzin, par contre. Hein. Oh non, la cinématique, non! Il devait y avoir un obstacle, le seum. Ok. Allez. Vas-y, Goku! Fume-le! Non, fume-le, pas toi! Non, c'est une folie. Vas-y, fonce. Voilà, détruis-le, là. Au bout d'un moment, c'est bon. Faut le fumer. Non, mais je fais tellement pas de dégâts.
Je fais pas de dégâts. Ok, ça passe ça? Absolument pas. Non. Ouah, non mais le demi-tour. Frérot. Mais il est trop chaud. Ok, ça touche. Oh, il permute avec une facilité. Ok. Ok. Le Genki, peut-être. Je sais pas si ça va faire très mal, honnêtement. Ça gratte. Putain, je vais réussir à le choper avec un perso quasi vanilla. Pas mal. Putain, si on arrive à le gagner, c'est une folie. Non! Ah non! Je suis full endu. Ok. Heureusement que la retournée de Goku est cheat. Hein. Oh là là. Ok. On va y arriver. Je descends. Allez! On est pas mal. Hein. Honnêtement, c'est pas lose. C'est tout sauf win. Ah là là. Oh là là, mais ça m'a fait TP. Je suis dans la sauce, les gars, je suis dans la sauce. Ok. Ah. Oui. Kono Watashi Gaidi. Non, si près du but. Non. Oh non. Ah, j'étais tellement bien. Il mange le sol carrément. Tu mérites, Goku. Non, j'étais tellement bien. Ah, je faisais des dingueries, ça me fout le seum. Ma voix doit plus ressembler à rien. Et le prochain qui dit que j'ai triche, je vous jure, il est ban. C'est de la débilité à ce niveau-là. À quel moment je triche? C'est un skill d'un perso. Je joue plein de Goku, donc il va y en avoir des carrément pourris, et il va y en avoir des surcheatés, enfin, c'est le concept du truc, sinon on se fait chier en fait. Donc si vous manque 2 neurones pour comprendre ça, c'est une folie. Oh la vache. Tiens, moi aussi, je t'en mets des perfect blocks. Ouais, tu combats toujours Moro, c'est le plus fort, parce que sinon, ouais, si j'affronte d'autres persos, ça va être moins intéressant. Alors que Moro, là, ça fait un vrai challenge à faire. C'est en vrai, d'autres persos en temps normal, ça serait peut-être un peu trop simple, je pense. Surtout avec des persos modés. Vous savez quoi, on va se transformer tout de suite, pour éviter qu'il nous arrive des bricoles. On va se transformer. Imaginez une stun. Trop stylé. Allez. Super Saiyajin
faux. Bah alors. Bah alors, monsieur. On prend cher. J'en ai bien l'impression. Putain, les Goku SSJ4 qui vont détruire Moro à chaque fois. C'est ça le but du jeu, en fait, c'est... Goku SSJ4 détruit Moro. C'est la vidéo... Aïe, j'ai rien dit. Je rigolais. Par contre, il a beaucoup d'endus, c'est pas mal. Faut vraiment que je retrouve... Par contre, j'ai toujours la voix de Goku petit, c'est une folie. Ah! Allez! Il a du mal contre le Goku SSJK, j'ai l'impression. Ah, il a beaucoup de mal, hein. Je vous jure que je trouve pas le moveset, hein. C'est une folie comment je trouve pas. Ah, ça y est, j'avais trouvé. Ah, bâtard! Ah, je le gratte depuis tout à l'heure, c'est une folie. C'est pas mal. Pourquoi ça marche pas? Ouah, non mais les demi-tours comme ça, c'est un scandale. Dommage. Allez, je tente. C'est pas l'attaque que je pensais. Ah, péché. Allez. Ok, j'ai l'attaque, je tente. Oui. Ça tue ou pas? Oh, le suspense. Oui. Let's go. Voilà, monsieur. Non, mais Goku SSJ4, il y a que lui qui gagne. Hein. Pour l'instant, il y a vraiment que Goku SSJ4 qui win. C'est une folie. C'était lui? Non, c'était pas lui, c'était... Ouh, Goku Blue. Oh, trop bien. Dommage que le jeu a compté comme si tu étais resté en forme de base. Pourquoi il a compté comme si j'étais en forme de base, c'est-à-dire Nelson? Je vais refaire du AVSIA. Ouais, j'en referai. Merci Yamoshi pour les bits. Merci beaucoup, mon gars. Comment il va? Yoniko. J'espère que tu vas bien. 20 bits en plus, hein. Le mec, il va. Hein. Le mec, il va. Merci Yamoshi. Eh, hey, Vaninox, il t'arrive quoi? À full harceler les modos et spam les émotes, là. Je sais que t'es pas un des viewers les plus sages, mais what the fuck? T'es en train de pourrir le chat, c'est une folie. Merde, j'ai pris deux fois Goku. Tu peux faire du YAVSIA. Allez, on change. Je suis en train de faire un truc, mais ouais, non, t'as raison. Juste parce que tu m'as demandé, ouais, on va le faire, ouais. Carrément, allez. Bon, les gars, je change du coup. On passe IA contre IA. C'est un trouble fait en même temps. Quand tu es trop saoul, c'est comme si tu avais la même... Ouais, il y avait des petits bugs de collision, etc. Ouais, effectivement. Merci Antilope pour la bite. Et pour l'autre bite. Mais après... Ça, t'as compris ton erreur. Allez, go! Comment ça, chef? Ah bah, c'est lui qui envoie. Hein. Merci pour les bits, Antilope.
Bon, celle-là, si je la gagne pas, quand même, c'est abusé. Hein. Hey, let's go. Ça part. J'y crois. T'as aucune chance. Est-ce qu'il y a un monde où il comprend pas le perso, hein. Par contre, je switch pas sur Vegeta. Parce que c'est Goku. Goku ou rien. Boum. Ok. J'ai peur. Pourquoi il a une lock? Au secours. Moi, abuse. Abuse, mon ref. Oh. Allez. Ok, tu sais quoi? Transfo. Ça ne sert absolument à rien, je crois, hein, mais... Allez. Non, mais j'ai TP. Ok, il comprend pas trop quand je fais ça, je crois. Ouais, il comprend vraiment pas. Oh, les dégâts qu'on lui met. Boum. Bon, c'est dans le combo, hein, le Vegeta, hein, j'ai pas switch. Désolé, hein, je n'ai pas le choix. Et là, ça part. Allez. Oh, là, ça va faire mal. Oh, elle est tellement stylée, cette attaque. Elle est trop stylée. Bah alors, on a le même PV que nous. C'est dommage, ça. Oh, dommage, un peu trop loin. Ok, j'ai rien dit, on n'a pas les mêmes PV, c'est bon, j'ai compris. Arrête! Non, mais il est abusé, hein. Par contre, comment on gratte avec ce combo? Ok. Non? Oh là! Oh la folie! Ok, je tente. Ça passe pas à l'abus! D'accord, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça me va. Oh! Wow, le perfect bloc de 5-5 qu'il m'a fait. Ok. J'ai peur, les amis, j'ai peur. Je veux pas mourir maintenant! Aïe, je peux l'assaut divin. Est-ce que je tente? Je tente. Oui! Tu dégages! Ok. C'est trop fort, ces persos. Les persos comme ça, avec cinématiques, c'est ceux où on a le plus de chance. Avec les persos pétés. Pardax. Et quand tu joues pas à des belles, tu joues des persos des belles. Ah oui, j'ai même pas besoin d'invoquer pour les avoir. Merci Yamoshi pour les beats. Yamoshi, il est trop gentil, il attend la fin du combat. Pour pas que ça se voit en vidéo et que ça casse le truc. Wow, et merci moi-même de m'avoir donné 1€. qu'est-ce que j'ai dit? Si tu gagnes sans perdre une barre, t'as un sub, t'as tout le live pour le faire. Bah merci moi-même du coup. Je vais me donner un sub. Non, merci Antilope pour le don. Merci beaucoup. Et cheers. Eh, vous me régalez aujourd'hui. Let's go. Faire des lives à la con plus souvent. Je sais que c'est toi, Antilope. Je le sais. Y a que toi qui connais le lien du don. Y'a que toi. Non, si vous voulez faire un petit don comme Antilope, n'hésitez pas à mettre des petits messages, point d'exclamation, don. Et voilà. Ça va directement dans ma popoche, donc c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. C'est l'effet Xenoverse 2, ah, peut-être. Ouais, y'a pas de S. Parce que je suis gentil, je vous en demande qu'un seul. Mais ça peut être un seul de 500€, tu vois. Allez, let's go, Goku Freezer. On va essayer de faire du truc stylé, là. Goku Freezer, il y a un monde où il se fait one... Enfin, Moro se fait one-shot avec Goku Freezer. Il y a un monde.
Ouais, t'inquiète, Nico, c'est le combat juste après. C'est le combat juste après. Accepte le liquide. Ouais, t'inquiète, rendez-vous. Rendez-vous Gare du Nord et on se capte. Allez, Goku Freezer. Goku Freezer, j'y crois de fou. Faut juste que je charge. Ah, nice. Heureusement qu'il me punit pas quand je fais ça. Hein. Les dégâts, ta maman. Non mais attends, l'allonge. Il fait deux coups sur un kick. Tiens. Monsieur, je pars là. Vous pensez que je peux élève déjà? On tente. On tente. Oui. Les dégâts? Pas fou pour l'instant. Vas-y Freezer, fonce. C'est tellement stylé d'avoir ça dans le jeu. Non, c'est une dinguerie par contre. Oh les dégâts, je gratte. L'explosion. Ah ça fait mal, mais c'est pas la folie furieuse non plus. C'est pas la dinguerie du siècle. Ah oh, puis lui il a juste à me dégager, me choper derrière. J'ai trop le seum. Ok, je tente ça. Ah c'est la même attaque que tout à l'heure, merde. Oh lolo, s'il vous plaît. Ah j'ai un counter. J'ai un counter moi, ok. Bon à savoir. Non mais attends. Abuse, la longe qu'il a. Je suis même pas sûr de gagner honnêtement. Ok. Je bouge plus. Bah lui, t'as peur? Bah alors Moron, on a peur. En vrai, vous pensez quoi? Goku Freezer, ils arrivent à battre Moro ou pas? Ah! Merci Nelson pour le don, tu régales! C'est pas Hunter, c'est Antilope. Mais merci beaucoup du coup. Toi aussi, tu connais la technique des dons. Ok, c'était pas l'ulti, c'était l'aspé, tant pis. Je voulais faire le LF, mais il est pas passé. Il y a un monde où on gagne aussi. Hein. Les persos duo, c'est, ça régale. Hein. Non. J'ai encore mon limit burst. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, j'ai dit. Bon alors là, s'il est pas mort. La vidéo ne s'accélère plus. Hein. C'est... Dernier combat, je l'ai gagné aussi. Hein. On stagne là. C'est quoi ce délire? Avec Goku Bardock. Goku Bardock, ah, j'y crois moyen quand même. Gokuzo, comment il va? Hop. Merci Nelson pour le don. Je me mouche. Merci pour les bits. C'est quand même une folie hein, ce qui se passe. Vous êtes en train de me régaler. C'est une folie. Bah merci, hein. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes géniaux. Je vous pardonne le fait que vous arrêtez pas de dire que je triche. Je vous pardonne du coup. Mama le mode avec Goku Bardock. C'est la vidéo, d'ailleurs c'est la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu le live la dernière fois, c'est la vidéo de ce soir. Ça sort à 17h, pour ceux qui n'ont pas vu le live de la dernière fois. Tu triches trop. Eh Kuzo, je peux te ban, attention hein. T'as pas donné de sous toi. Ouais, c'est spécial, Goku Freezer, mais ça fait partie de la nature de Goku, tu vois. Freezer, c'est bizarre, mais ça fait partie de la nature de Goku de se dire que...
Goku, il donnera toujours une seconde chance aux gens. Même si t'as pu tuer toute sa famille, il te pardonne. Il finira par le faire. Hein. Tu seras pas son meilleur pote. Mais il voudra pas te tuer dans tous les cas. C'est dans sa nature. Yo Matou, t'as raté des combats. Allez, Goku Bardock contre Moro. Je n'y crois absolument pas. Aucune chance. Ça va être tendu, je vous le dis. Ah ouais, non mais abuse aussi. Abuse. Arrête! Ok, j'ai le crash du météore. Le crash du météore, c'est vraiment sympa contre Moro. Vu qu'il part énormément, vous voyez là, il essaye de perfect block là, comme les mecs en PVP. Sauf que lui, il y arrive pas. Clochard. Ah, puis il y a les voix de Bardock en anglais là. Arrête! Parle en anglais. Allez! Oh! Alors! Ah! Non, j'ai rien dit! Ok, je peux LF. Ah, mais j'ai ma charge aussi qui est trop fort! J'ai ma charge qui me heal, j'avais oublié! Oh, faut que je charge! Ma charge me heal et je crois qu'il peut pas me toucher derrière. Oh, les dégâts! Oh mon dieu! Bien joué, les gars! On continue! C'est pas fini! Oui, ça me régène! J'avais oublié ça! Ah, oh, je peux le détruire en deux, les gars. Lui aussi, mais... Allez. Non. Ah. Arrête. Vas-y. Ok, il prend cher. Ah, oh, la régène, c'est beaucoup trop fort. Ok. On y va, let's go. Oh, le kick. Non, il s'est TP. Ok, ça passe pas. Oh, oui. Oh là 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 là. Oh, il est incroyable à jouer le perso. Il est incroyable. Alors, faut faire gaffe, il peut me tuer. Maintenant. Ah, il est derrière. Non, pas si près. J'ai de la vie. À moins qu'il multi. Ah, il ulti, hein. Il ulti, salaud. J'ai limite burst en plus. Ça va être tendu. Cours ta mère. C'est tout. Allez, bugger son attaque. Oui, il est mort. Ah, il est peut-être pas mort. Non, il est pas mort. Ok. On va le finir avec la shop, tranquillou, bilou. Vas-y, viens. Arrête de kick-o, là. Voilà. Eh, mais la vidéo ne s'accélère plus, là. C'est pas possible. C'est trop facile. Cours alors qu'ils peuvent voler, pas faux. Ouais, la luck, vous l'avez trop spammé, hein, je crois que c'est... Oula, Goku Big Bang Mission, j'y crois pas par contre, là. Je n'y crois absolument pas. Hein. La vidéo va s'accélérer. Tranquille, elle est déjà en x1000, j'avoue. J'ai tellement perdu les premiers combats. Merci Yamushi pour les beats, tu régales. T'es un monstre. Ok. Ça part. Goku, Big Bang Mission, il peut aller en Kaioken, je crois, mais sans les avantages du Kaioken, c'est le problème. Ah, quoique ! Faut qu'on teste. Oh, la caméra. Faut qu'on teste. Bouge de là, transfo, à fond. Ok, je suis en SSJ Blue. Quoi ? Ça va à travers les shops ? Ouais, c'est logique, hein. Au final, c'est pas si choquant. Qu'est-ce qu'il a fait, là ?
Ah, il a essayé de m'absorber ou... Ok, ok, ok. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller en Kaioken honnêtement, mais... Kaioken, je le fais pour lui. Il avait pas l'air de vouloir. Ah. En fait, j'ai pas les avantages du Kaioken, j'ai l'impression. Parce que mes TP coûtent toujours 2, ouais, c'est ça, mais mes TP coûtent toujours 2. Non! Non, mais attends, frérot, tu bouges même plus! Ok, 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 ça fait mal, ça fait mal. On continue, on enchaîne. On essaye de le pulvériser le plus possible. C'est pas dingue. Je crois que je peux aller encore au-dessus, hein, mais... Ça sert à rien. Je suis pas sûr qu'il y ait un boost d'attaque quand tu Kaioken, en fait. Après, c'est une transo, mais ça donne quoi comme boost? C'est la question. Faudrait des logos pour dire ce que ça booste, hein, vraiment. Après, j'ai énormément d'endus, ça c'est cool. Vas-y, 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 vas-y. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, on peut win. Hein. Il a du mal en ce moment, Moro. Jovaida! Ok. Je suis peut-être plus rapide, remarque. Ok, ok. J'ai le super point de Dieu. Ok. Ah! Oh là 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 là! Je suis trop chaud! Je suis trop chaud! Ça dégage! Pouah, Moro, tu t'es fait allumer par un perso qui est quasi full Vanilla. A plus Vanilla que ça plus! Il y a un mode qui serait banger, c'est Orange Piccolo et Gohan Beast en un seul perso, ça serait incroyable, ouais. Ça serait la folie. Alors, ensuite, Goku Xeno. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Goku Xeno. Ça part. Je me demande si c'est pas celui qui peut se transformer là en Limit Breaker s'il a plus beaucoup de vie ou je sais pas quoi. Faut voir, faut voir. Merci, moi aussi pour les 10 bits. Tu donnes des bits à chaque fois que je gagne ou. Ça se passe comment? C'est le principe? Ouais, c'est lui, ok. Merci, Antilope, pour les cheers. Allez, let's go. On y va. Là, j'y crois moyen. Après, je suis à SSJ 4. Hein. J'ai jamais perdu avec SSJ 4. Hein. Donc, il y a peut-être un monde. Oh, ça va être tendu. Il a déjà la voix du SSJ 4 en plus. Esprit déferlant. Il peut me toucher avec Esprit déferlant. Oui, c'est le truc de Migaté. Donc, ouais, totalement. Juste, ça charge vite. C'est pas grave. Je laisse l'attaque. Tant pis, c'est pas grave. Pas du bien. Et tu peux le limit breaker en low life. Ok. Ah quoi? Il m'a absorbé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dégage. Allez, dépêche-toi. Ok, maintenant on discute. Oh non, mais il y a combien de coups là-dessus? Qu'est-ce qu'il fait? Jamais. Le bâton! Doshta! Oh, il m'a pas touché! Oh là là, mais on est en train de le victimiser! Mais tu fais quoi? Mais allez, bouge-toi un peu! Je suis censé mourir, hein. C'est censé aller vite comme vidéo. Ah, ok. J'ai un dit. Oh la vache. Oh,
Ah, je sais jamais comment on cale son limite. Son limit break. Enfin, limit break, le. Stamina break. Ah, c'était maintenant, non! Ah, je suis dans la merde. Il va me faire très très mal. Il fait tout le temps le même combo en plus, Moro. Voilà, là il va ulti. Il fait tout le temps le même et il passe jamais son combo. C'est une folie. Il va juste m'envoyer une boulette. Ah non, c'est juste, ça va partout. Ah, il en fait plein de fois, il le fait plein de fois. D'où ça me touche? Non, c'est une folie. Non mais attends, je peux pas jouer. Cours. Non mais d'où ça me touche? Ah. Bah alors, on est stam break. Oh, ça me régène. Vas-y. Oh ouais, non mais il m'a tout donné là. Oh bah alors là. Bon, c'est pas win hein, parce qu'on a le même nombre de PV. À tout moment il me flingue hein. Dojta. Ah. Oh la vitesse. Ah. Non mais... Ok, t'es mort. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Point du dragon. Ah. J'ai dit... Non. Ok, il est con. Il est con. Ah non. Allez, mais faut mourir un jour, hein. Ok. Je comprends pas le principe du perso, hein. Oh là là, les dégâts. Je suis trop con. Il s'est jeté dedans. Ah, je voulais le finir en Ryuken, mais... Il est trop con, putain. Et c'est quand que la vidéo elle s'accélère? C'est trop facile là. Ah, un autre Goku Xeno. Il a l'air plus vanilla celui-là. Je crois qu'il est plus vanilla. C'est tout easy. Et du coup j'ai pas perdu de barre là, du coup, vu que je me suis full heal et que j'ai pas pris grand chose après. Ils sont où les 10 subs? Non, c'était pas 10 subs, je sais pas. Merci pour les cheers les gars. Vous gérez de fou. Ça commence à faire là avec tous les bits hein. Il va jusqu'en SLJ3, ouais, je crois, hein. C'est un truc assez classique de VGM, ça. Hein. Je vais me faire soulever. Ok, ça dégage. Ok. Non, mais abuse. Eh non. Bon, du coup, on va tester vite fait. Là, il va me faire, voilà, il va me faire ça. Je prends trop cher. Ok, SSJ3 instant. Ouh. Salut. Calme-toi. Oh, le bâtard. Ok, pas touché. Il s'est stamina break tout seul. Bah alors. On est pas malin. Non mais bouge-toi, Goku! J'ai zéro. Ah, j'ai fait de la merde, là. Là, j'ai fait de la merde. Là, je suis dans la merde. Ah ouais... Il fait tout le temps le même combo à chaque fois. Là, il va ulti, voilà. Sauf que ça me touche pas. Je sais pas trop pourquoi. Son attaque est buggée. Du coup, bah, je suis bien. Ah. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé la strat pour Moro. Ah. Ah, dommage, ça touche pas. Oh. Non, là, c'est mort. J'ai fait trop le fou, là. Oh, l'abus de confiance. Oh, je suis pas mort. Ah.
Pour une fois qu'il a changé de technique. Ok. A plus Nico, à plus. Ouais, je sais pas ce qu'il vaut, mais ça pue. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà testé, lui. Je vous le dis, ça pue. Pour O'Brien. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Je crois que c'est celui que j'avais utilisé pour le poisson d'avril. Sauf que t'as premier. Ah oui, c'est vrai que c'était moi. Antilope qui donne quand même les bits, merci. Alors je sais pas à quelle vitesse je parle, mais ça devrait commencer à être drôle. Hein. Je sais pas, j'ai perdu combien de fois en vrai. J'esquive avec lui. Ah oui, d'accord. Non mais c'est tranquille. Ah mais ça va, je charge. Laisse-moi charger. Oh. Il est en train de me bousiller mon endu. Abuse. Non mais abuse. Qu'est-ce que c'est que c'est? Mon attaque marche pas. J'ai une attaque qui marche pas, c'est un flop. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête! Ouh, ça fait mal, j'aime bien. J'ai châtiment divin. Le mec m'esquive avec une facilité. Tiens, tais-toi un peu! Non, mais j'ai juste la charge maximum, c'est nul! Ça, je comprends pas ce que ça fait. Hein. Wouh! Faudrait mettre le full power Kamehameha pour tenter. Ah, je suis mauvais avec ce perso! Ok, boum. Non, j'allais le punir! C'est comme ça qu'on fait! C'est quoi ce combo de merde? Ok, il est con. Full power Kamehameha. Vas-y! C'est trop long! Ok, j'ai rien dit. Pas mal. Ah, dommage. Mais c'est nul, ces combos sont nuls à yesh. Tiens! Heureusement que Moro, il stamina break même quand je pars. Oh, par contre, là, il... Ouais, non, là, il est trop bien. Il est trop bien. Oh, calme. Non, mais ouais, mais c'est l'esquive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me donne la game, hein. Vraiment, là, il est en train de me donner la game. C'est une folie. Hein. Oh non, là, il est devenu débile, Moro. Ah, ça y est, il a repris ses esprits. Allez. Je danse autour de lui. Ça fait mal ça, ça fait rien du tout. Oh, mais j'ai une attaque, elle sert à rien. Ça me fait éternuer tellement c'est con. Allez. Ah. T'es mort. Mais pourquoi il s'arrête d'attaquer quand je fais le combo? Bon, il est débile. Mon endu qui dégage avec le truc. Vas-y, continue, Moro, y'a pas de soucis. Tu peux continuer, franchement, j'adore ce que tu fais. C'est quoi ça? C'est incroyable, ça. Ça touche? Oh, c'est pas assez loin, non! Oh, je me suis fait baiser. Qu'est-ce qu'il fout? Il est vraiment trop con. Hein. Je sais pas ce que c'est que cette attaque, mais... Et ça marche à moitié, non? Ah non, ça marche juste pas, ça. Viens là! Arrête de fuir! Non, ça marche jamais, ça. J'aurais tenté. Abuse.
Eh, je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens, il est foutu, il est foutu, il est foutu. Il est mort, il est mort. Mais il s'arrête en plein combo! C'est une folie! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'aurais dû le punir. J'aurais dû le punir, ça aurait été plus worse. Ah merde, le con, le con, le con, le con, mais lui il est encore plus con. C'est tendu! Oh! Oh, c'est win! Oh, c'est win! Il est dead! Il est trop con! Il est trop con! Vraiment, Laboro, il était débile. Hein. Ouais, l'attaque de Super Bouvet. Après, il en a une autre qui est dévastatrice, qui peut faire super mal, des transfos, m'empêcher de faire des trucs et tout. Enfin, mais il l'a fait jamais. Il l'a fait jamais, l'attaque ulti. C'est quoi le but de la vidéo? Alors la vidéo, c'est en gros, à chaque fois que je vais mourir contre Moro avec un Goku, la vidéo elle va s'accélérer. Moi j'ai un Goku grand prêtre. La folie. Ça se trouve il est nul à Yesh. Ça se trouve il est ultra pété. On n'en sait rien mais on va voir. Hein. Sorti là pour une chance. Alors qu'est-ce que tu vaux toi? J'ai vraiment aucune idée de à quel point la vidéo va être accélérée à ce moment-là. Ça se trouve, là, c'est incompréhensible, hein, on n'en sait rien. Il est trop nul, il a pas d'enduit, il a rien. Mais il est trop nul. Mais c'est quoi ce perso de merde? Oh. Ok. Wow, mais il est naze. Il est naze. Oh, j'ai le Master Ultra Instinct. Attendez, j'ai le Master Ultra Instinct. Alors j'en ai vu des transfos, mais celle-là est vraiment pas folle. Non, mais ouais, mais... Ah, oh, l'abus. En fait, il a juste les attaques de Unleashed, en fait. C'est Goku grand prêtre, mais avec les attaques de Unleashed. Par contre, du coup, vu qu'il a des movesets Vanilla, le... Olé ! Bah alors ? Oh quoi? Mais il a fait quoi? Il s'est passé quoi? Il m'a déglingué. Ça me touchera même pas à son attaque. Voilà. Oh quoi? Mais c'est quoi sa fantôme approche? Qu'est-ce que c'est que cette... Mais qu'est-ce que c'est? Ouh. Ok, ok, ok. Bon après c'est les attaques d'Unleash donc forcément c'est stylé. Ok. Je ne mourrai pas sans me battre comme une merde, mais sans me battre quand même. Voilà, voilà. Ok. Oh, j'ai le sliding qu'à ma mère. C'est nul. Tu vises qui, là? Tu vises qui? Waouh, ouais, non, mais c'était dur, t'as raison, c'était compliqué. C'est compliqué comme attaque. Je peux comprendre. Ouah, finir avec un stamina break, c'est abusé. Ouais, je sais qu'esquiver ça fait perdre mon enduit, je sais. Aïe 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 aïe. Ok. Oh, c'est Trunks! C'est le Goku qui s'appelle Trunks! Oh, ouais, bah là. Je suis obligé de win, là. Normalement, je vais me transformer en Ultra Instinct et tout. Je suis obligé de win. C'est le Goku Trunks. J'ai toutes mes chances. La première vidéo que j'ai vue, c'est la première vidéo de beaucoup de gens. Ok. À chaque fois, j'ai peur que ça crache, mais c'est que le perso est tellement gros. Ça met 50 ans. C'est la première vidéo vue par beaucoup de gens sur ma chaîne. Peut-être le Goku qui m'a fait un minimum connaître. Oh, allez, let's go, mon gars. Faut pas spam les transfos, sinon ça crache.
T'inquiète. Je ne suis pas comme ça. Dégage. Merci Momo pour le follow. J'ai pas de charge. Ah, c'est vrai que j'ai pas de charge avec lui. Ah, mais je peux déjà me transfo. Eh ben voilà. Super Saiyajin. Ah, il le dit plus, il est bugué le perso. Avant, il le disait qu'il était en Super Saiyan 1. Voilà, là il le dit. Là on discute, et là je me fais défoncer. Et là il a pas les mêmes combos normalement. Voilà. Maintenant on discute. Oh là 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 là, vas-y. Si c'est en accéléré vénère, ça doit être très drôle à écouter. Ça va jeter, collega. Super Saiyajin. Super Saiyajin solide. Ok. J'ai une charge ou pas? J'ai la charge explosive, ok, why not. Oh, les combos. T'as des combos, t'as peur. Ok. On va essayer de le combo un peu. Ah, mais non, mais y'a rien à faire, y'en a rien à faire. Ah, la bulle. Ok, tu sais quoi? Je tente le tout pour le tout. Vas-y. Giovanna. Oi. Ah, dommage. Ah. Et par contre, là, je suis en Kaioken, je perds pas de vie. Je sais pas si j'ai les désavantages du... Enfin, l'avantage du Kaioken d'avoir un milliard de TP, j'ai pas l'impression. Olé! Olé! Oh là 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 là! Vas-y! Oh non, il s'est TP! La bu! Oh la vache! Frérot, abuse! Ok. Ça touche pas! Oh là là, il est incroyable le perso! Oh, stamina break! Ça touche pas? Je sais pas. Ah, c'est bugué, fait chier. Vas-y, on le refait! Ça ne passera pas. Vas-y, tape pour voir! Voilà, monsieur! C'est terminé! Non mais il continue de m'attaquer, le fou. Allez, touche-le. Ah, c'est cassé. Oh, il est tellement mort. Allez, à plus. Oh, il est pas mort. Le Kamamea classique. Oh, bah alors. Ah. Les shops, ça passe, apparemment. Apparemment, les shops, ça passe. C'est pas grave. Oh, j'ai un counter. Vas-y, viens. Oh, la bu. Trop facile. Mon dieu. Derrière le spam. Je voulais le tuer comme ça, ok. Eh, mais c'est qu'il nous reste plus grand chose. Qu'est-ce que c'est que ce Goku MMI? Ah, il me dit absolument rien. Alors, je vois pas ce que c'est. Hein. Moi, c'est la vidéo de Potato avec la tenue de Vegeta et l'épée de Tapion. Ah oui, je vois, ouais, je crois que c'est un des premiers movesets de Potato que j'avais fait, je crois. Vanilla, il a l'air Vanilla, mais c'est pas normal. Enfin, il est dans les modés. On verra bien. Hein. Ouais, le Goku Evil, ça va être n'importe quoi. Hein. Merci Antilope pour les beats, le mec ne s'arrête plus, il a des beats infinis. Je sais pas ce qu'il vaut ce Goku. Hein.
Donc, Ultra Instinct, en plus, à chaque fois, ça me fait peur. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Ok, je fais des esquives. Classique, j'ai envie de te dire. Hein. Je peux vivre ou... Abuse. Mais frérot! Ouh! Ouh! Ok! Ah oui, non, mais c'est un perso comme ça, d'accord. C'est un perso qui a des cinématiques de fou. Peut-être avec la shop, du coup? Oh, 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 Kotida! Oui, d'accord, c'est celui-là. Ok. C'est lui. En fait, c'est, il a des attaques normales, mais les combos sont insane. Je suis en train de regarder le chat, forcément. Bah ouais. Bon, on aura vu Kotida, voilà. Il aura juste fait une shop. Juste une shop. Il m'a poutré. Je sais pas ça va donner quoi, la vidéo, mais... En vrai, on n'a pas perdu tant que ça, si. Attends... On a perdu une fois, deux fois. J'avais perdu avec lui. Je sais plus. Trois fois, quatre fois. Six fois. Lui, je sais plus si j'ai... Ouais, on est peut-être à 7 ou 8. Ouais, en vrai. On a quand même perdu. Hein. On a quand même un peu perdu. Lui me dit rien, je sais pas qui c'est. Ah non, Goku Evil, je croyais que c'était l'autre. Ouais, Goku Evil, c'est... Je crois que je peux poser la manette, je ne mourrai pas. Goku Evil, je crois qu'il peut pas mourir. Excuse-nous. Ah oui. Ça va? Attends, je te remets bien. Hein. En l'air. Ah oui, même Moro il m'a regardé en mode tu fous quoi mon ref? Bon. Tu joues ou... Non? Ok, bah mon tour alors. Oh, ta propre technique. Ta propre technique, mon ref. Ah. Il y avait peut-être un truc à installer. Marche pas beaucoup le perso. Dommage. La shop peut-être. Oh non, la shop marche pas. Y'a un truc à installer. Tant pis. Disparaît. Ouais, je pense qu'il y a des installeurs à mettre, mais... Ouais. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, la transfo, ça marche quand même ou pas? Wouah! Alors ça, c'est de la transfo. Ça, c'est de la transfo, mon gars. Ah, mais il ne peut rien faire. Frérot, c'est terminé. Wouah, les dégâts, Legendary Power Wave. Ouf. La fameuse typose de la destruction. Voilà. Non, bah tranquille. Hein. Tranquille.
Qu'est-ce que c'est que ce Goku? Alors ça, je crois que c'est un Goku qui peut fusionner en Gogeta ou alors en Végéto. Mais du coup, j'ai pas le droit de le fusionner. J'en ai plus. Ça marche, Antilope, t'inquiète. T'inquiète. J'en ai plus. Cassé. Alors, qu'est-ce que tu donnes en... Excuse-nous. Oh, comment je les stamina break. Ah mais ils sont bien pétés les persos de la fin là. Pourquoi ils bougent plus? Ah, il en a marre de la vie. SSJ3. Ok, Super Saiyajin. Pourquoi il crie Ryuken? Pourquoi on entendait Ryuken? J'en sais rien, me demandez pas. Vas-y! A plus Nelson, à plus. Attends, c'est plus le même jeu, hein. Au début c'était plutôt tranquille, Moro arrivait à résister, là il ne peut plus rien faire. C'est terminé pour lui. Je suis trop rapide, j'ai trop d'attaques, c'est... You can! Ah dommage. Oh là, t'es mort. T'es mort là. C'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ce combo? Oh là 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 là. Oh, il se fait enchaîner. Ah mais viens là. Ouf. Combo de coups de canon. Oh, il a la pose de du film bah du Ryuken. Olé. C'est quoi cette merde? What? Il peut rien faire. Mais je suis intuable en fait. Je suis increvable. Ah ça y est, je perds enfin de la vie. Que maintenant. Oh. Il est relou. Il esquive tout, tu peux rien faire. Il m'a l'air un peu bugué le perso. Hein. Dommage, j'aurais tenté. Bon, c'est pas la win la plus dure qu'on ait eu à faire. Ah. J'ai plus de vie que lui, quoi. C'est... Faut le faire. Rien qui se paie pour que je puisse le... Je sais pas ce qui déclenche un Ryuken, hein, mais... Non ! Oh, tu sais quoi ? Allez. J'arrive pas à le toucher. Je pense pas que j'ai plus de transfo que ça. Ça serait bizarre. Eh, mais regardez mon endurance, en fait, j'ai full endu ! Ce perso est débile. Non! 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 Oui! Non! J'en ai marre! Il m'énerve! Tu vas le bouffer ton cou! On prend tarif. C'était pas le combat le plus palpitant, mais... La vache.
Donc on a fait lui, et dernier, Goku et SSJ4, ok. Itel, on le fight. Ah, c'est une folie, c'est genre... Il voulait pas crever. Je sais pas si on finira avec ça. Est-ce que j'en installe d'autres après, ou je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée si ça suffit pour une vidéo. Aucune idée. Il est stylé, ce Goku. Il est stylé. Kuzo, je le testerai pas tout de suite, ton potato, parce que t'as dit qu'il allait avoir une mage, donc autant attendre la mage. C'est pour, je vais pas tester un truc qui est pas fini, tu vois. C'est vrai que je te l'ai pas dit, mais... Du coup, je le testerai quand il sera fini à 100%, zéro problème, tout roule, tu vois. Je vais le caler, hein. Ah, c'était vraiment pas le meilleur endroit pour le caler, hein. C'était vraiment pas le meilleur endroit pour le caler, hein. C'est beau, j'imagine. Tu peux revenir? Merci. Si on a rien vu, on va recommencer, c'est horrible. Pour ajouter des slots, c'est-à-dire. T'augmente de combien par défaite? Bah, je verrai. Après, je pourrais. C'est vrai que je peux monter vénère. Hein. Tu vois, dès un premier fight, je passe de 100% de vitesse à 120, tu vois. Ce qui serait déjà énervé. Parce que la dernière fois, c'est pour les. Pour Kakarot, je crois que j'augmentais un petit peu parce que c'était à chaque dégât. Bon, là, vous imaginez bien qu'à chaque dégât, bon... La vidéo allait durer 2 secondes et demie. Je vais y arriver, hein. Ouh. Mais il a l'air sympa, lui. On va bien caler un combo, mais pas simple. Je fais tellement de trucs chelous, en plus, que... Bon, oh, l'abus. On y va. Ah. J'ai dit, on y va. Mais ça ne fait rien! Dommage. Ok, 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 ok. Ok, ok. Maintenant! Ah! Arrête, t'es relou! Ah, il veut pas, hein. Point du dragon. Ah bah voilà! C'est ça que je voulais faire, moi. Et là, on le voit bien. Ah bah, c'est sûr que là, on le voit beaucoup mieux. C'est la même attaque que tout à l'heure. Wouh ! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Super bombardement fist. Oh, dommage. Pourquoi l'attaque coûte rien ? J'en sais rien, mais elle coûte rien. Ah, j'ai pas de charge par contre. C'est le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Remonte! Viens, on sort de l'eau. Pour la spam, c'est ce que je fais, mais elle a pas envie. Aïe. J'ai limite burst. Oh, je suis dans la merde. Dans la merde. Bouge, Goku. Bouge, 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 bouge. Ok, toi bien. Signe d'éveil. Pourquoi j'ai signe d'éveil, moi? Ah, mais c'est pas signe d'éveil. C'est pas du tout signe d'éveil. Oh, Vegeta. Un peu lent l'attaque, mais du coup, en accéléré, ça rendra bien. En accéléré, ça sera pas trop mal. Ah, la vache. Ça fait mal ou pas? Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, buse! Et cette attaque, je comprends pas. Après, il la part dès que je la fais, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas s'il a des combos de zinzin, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à les caler, les combos, donc forcément... À chaque fois, j'essaye de bouger, mais c'est trop tard. Il y a un monde où je meurs, hein. Il y a un monde où je meurs, mais...
frérot, abuse. C'est qui? C'est pas moi, c'est... Ok. Signe d'éveil, maintenant. Ah, mais signe d'éveil, je l'ai déjà fait, je suis trop con. C'est pas cette attaque-là que je voulais faire. Non, c'est trop long. Il va peut-être mourir, du coup. Ouais, je peux fusionner, mais on joue Goku, on joue pas Gogeta. Mais ouais, je peux fusionner avec lui. Le Clamgiro. Oh, il est largement mort. Si vous voulez, je peux vous la montrer, la fusion. Adios! Easy. Easy. Je vais vous montrer la fusion vite fait. Pour ceux qui veulent voir. So, oui, ils peuvent fusionner. Tu peux switch avec Vegeta aussi. Est-ce que je peux fusionner dès le début? Ça me coûte du ki ou pas? Ça a l'air de me coûter du ki. Attends, viens, faut que je te tape. Oh, il a des combos sympas, hein. Du coup, la fusion. Sympa, sympa, sympa. Hein. En vrai, il y a un flow. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi, toi? Il aurait dû faire stamina break avec son attaque, par contre. Tu veux quoi? Boum! C'est quoi le problème? Ah. Ah. Si, je l'ai déjà fait en vidéo, hein. Vous avez la vidéo sur YouTube. Vous regardez la playlist, vous allez trouver. Après, il y a plusieurs Gogeta SSJ4, mais... Vous devriez le trouver. Ouf! Non mais... Toujours plus! Salut! Ça va? Les signes d'éveil. Ah oui, d'accord! Putain, il a le LF! Il a le LF sur sa technique, je suis mort. MDR. Allez. Allez. Bah alors. Oh, il a le clash, MDR. Oh, c'est une folie, ce perso. Bah voilà, hein. Allez, dégage. Ouais. Non mais vous avez la vidéo sur YouTube si vous voulez de ce perso, ouais. Je l'avais oublié, il est bien sympa, hein. Putain. Oh, le perso de fou. Ok, ok, non mais je pense que ça suffira pour la vidéo. On peut tester le potato de Kuzo si vous voulez. Si vous voulez, on peut le tester. Oh, comment j'ai chaud, putain. C'est terrible. Garder les bras baissés. Étirement. Allez, bâtard. Regardez comment je vous baise. Ah non, on le voit un petit peu. Non. Ish, ish. Voilà. Ah, je m'étire. Hop. Alors. Un potato de Kuzo. Check.
Le potato de Jijika. Oh là. Ça s'appelle le potato de Jijika. Il pèse 85 MO, sachant que 85 MO pour un perso, c'est... C'est beaucoup. C'est beaucoup, 85 MO pour un perso. Oh la vache. Dites-vous que le Goku avec 10 transfo, il pèse 142. Voilà, pour vous situer à peu près. Mais un perso lambda, souvent, ça fait aller entre 15 et 30, à peu près. Là, on est à 87. À partir de là, voilà. On teste un potato ? Ouais, on teste un potato, on va voir. C'est un abonné, c'est Kuzo qui l'a fait. Hop. Attendez, j'arrive. J'arrive. Très bien. J'ai failli mourir. Pardon. Vraiment désolé. J'ai bu de travers. Fallait bien que ça arrive un jour. J'installe, hein. Bois doucement, et je bois doucement, c'est juste qu'en fait j'ai plus d'eau, regardez. Du coup je suis obligé d'aspirer fort. En fait, tu vois, il me reste quasi rien. Pour ça. Est-ce que t'as triché ça? Et à ça de le ban. Pour le reste du live. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est pas mal, non? Moi ça me paraît pas dégueu. Ok, j'installe. Oh, le nombre de trucs. Légendaria Gong, il va détruire mon jeu là. Heureusement qu'il n'y a pas grand chose de précieux dessus. Hein. Ça part. C'est Moro qui se venge, ouais. Il s'est déjà bien vengé, non? Alors, je l'ai installé en dernier. Donc, il y a peut-être un monde où ça bug. Donc, s'il y a des bugs, on le réinstallera après. Ouais, t'inquiète, je sais que si ça bug, je sais que ça cause... Enfin, c'est pas forcément à cause des autres modes. En fait, c'est plus à cause de Agwang que ça déconne. Parce que le mec fait des modes payants, mais il sait pas modder le jeu, donc... À partir de ce moment-là... Normalement, il y a un monde où ça passe. Ouais, bah c'est à Gwang, malheureusement. C'est pour ça que je teste pas plus de mods que ça à lui, parce que ils détruisent ton jeu. Ça tire ici. Bah non, mais le mec, il fait payer des sommes astronomiques pour modder ton jeu. Mais il détruit tous les autres mods. Donc au final, bah en gros, c'est tu joues avec le jeu de base plus ses mods, parce que tout le reste, ça marchera pas. L'intérêt du truc. Donc en gros, ces mods sont juste bons à présenter en vidéo, ou alors tu joues que ton cac, mais rien d'autre. En gros, on s'en bat les couilles. Yo, coffre. Alors. Potato, c'est lui. Oh. Ok. Oh, il a une potara et tout. Ok. Et en vrai, déjà... J'aime bien le skin, en vrai. J'aime bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la coupe à potato, ça? Ah ouais, c'est la coupe à potato. Ok. Chaque fois, je confonds avec une autre coupe. Je confonds avec celle de Betera, parce qu'elles sont très très proches. Mais non, c'est sa coupe, ok. Nice. Potato, let's go. Ah, j'aime bien la potara qu'il a et tout. J'aime bien. Et il a une autre tenue. Ah, et ça, c'est comme... parce que je me suis fait spoiler du coup avec le mode de Yamoshi, c'est en gros, c'est une tenue de Gojo qu'il a après, donc ok. Et bah ça part. Yo. Let's go.
On va tester ça. Est-ce que les deux ont des... Ah oui, les deux ont deux trucs différents. Ah ouais, non mais d'accord. Ok, ouais, non, c'est abusé. Toujours sur Moro, hein, on déconne pas. Il y aura une vidéo du potato ? Bah si c'est bien, ouais. Ouais, de fou. Après, elle sortira pas tout de suite, parce que déjà, j'ai celle de Yamoshi à sortir. Donc, même pas sûr qu'elle sorte la semaine prochaine. Olé, entrée en scène sympa. Pourquoi je suis tout petit ? C'est le bug du moveset. Aïe, parce que là, je suis vraiment petit. Hein. J'ai rétréci au lavage, là. Je vous dis qu'un rossier, la honte. Non, mais... S'il vous plaît. Il arrive même pas à le détruire. Mais détruis-le. Potato. Merci. Je pensais qu'il sera update. Ah ouais, bah ouais, bah du coup, je vais pas faire de vidéo maintenant. Je me spoil, alors que le... Non, je vais pas le tester tout de suite, du coup. Je vais pas le tester tout de suite, s'il y a un bug de taille. Mais sinon il marche bien, t'inquiète. Ouais, mais même, ça me... Ah, c'est... Non, même pas. Je veux avoir une bonne taille, c'est pas présentable. C'est cool, hein, parce que je suis sûr que tout le reste marche. On teste une technique. Easy mode, c'est quoi ça encore? Black Flash. En soi, les techniques, je crois que je les connais déjà, parce que c'est du Agong, et je crois qu'Yamoshi, il avait mis... Alors, Ultimate Black Flash... C'est... Ah non, je la connais pas. Ah oui, c'est un Coxen, il fait un Coxen, MDR. Là, c'est violet. Coxen. Incroyable. Incroyable. Teste au moins la forme. La forme, c'est-à-dire. Genre la transfo. Vous voulez que je me transfo en plus du Coxen? Enfin, il a un Coxen, en vrai, c'est stylé. Ok, allez. La transfo, et du coup, on testera quand il aura mangé de la soupe, parce que là, ça va pas. Hein. Là, ça va pas. Sukuna... Awaken, donc éveil de Sukuna. Je vais être possédé par Sukuna, MDR? Après Baby Sukuna? Oh non, il y a le rire de Sukuna en plus! Ah, c'est en anglais, non! Ah! Non, c'est si de fou, par contre. C'est si de fou. Ok, sympa. Et du coup, il gagne le truc de Sukuna et tout. Non, c'est stylé, en vrai. En vrai, c'est stylé. Par contre, il en a pas sur le visage. C'est vraiment les bras. Ok, peut-être que c'est plus compliqué du coup sur la tête. Ah, sympa. Normalement, le visage se change et tout. Ah ouais, comment ça se fait que du coup, il n'y a pas le visage? Là, c'est peut-être mes modes qui conflient, non? C'est terrible la taille, hein, vraiment. Ouais, le bug en conflit. Bon, bah ça va, alors ça se rattrape. À mort les dialogues anglais. En vrai, le rire, ça va, ça se voit pas trop que c'est anglais. C'est dès qu'il commence à parler, tu fais non. Y'a pas moyen de changer ça dans la... Il va comparer la taille. Non, mais ça me dégoûte. C'est horrible, putain. Je trouve ça, mais je voulais tester le truc, mais la taille est... Regardez, je suis à peine aussi grand qu'un Sideman. Y'a un truc qui va pas. Ouh, le slash. Schling. Ah, il a l'air sympa, hein. Ah, là, c'est le Coxen qu'on avait vu, c'est... pour le spam. Coxen. Je m'en suis rendu compte au montage, quand on avait testé le Gojo de Yamoshi, c'est... En fait, il fait un Coxen, là. Ça se voit avec les rayons rouges et tout. Je l'ai compris au montage. J'allais pas faire une séquence où je dis, j'ai capté que c'était le rayon... C'était le rayon noir. Il fait complètement un Coxen. Ouais, bah de toute façon, je testerai Kuzo, mais ouais, quand tout sera réparé, là, la taille, c'est... Non, ça va flinguer le mode, les gens vont voir que ça, et ils vont pas parler du moveset, du coup, du perso, des attaques et tout, ils vont juste dire, il est petit, non? Donc voilà, on testera quand il sera bien grand. Parce que je connais les gens sur YouTube. Et les gens sur YouTube, il y a un défaut, t'inquiète pas, qu'ils vont le dire à l'infini, même si tout le monde l'a déjà dit et que tout le monde le sait. Ils vont faire que ça. Pour ça, on va attendre.
Et comme ça, on le testera. Mais déjà, là, rien que la transfo et l'ulti Coxen, là, j'aime bien. J'aime bien. Ah, mais fais-toi plaisir, cousin. Fais-toi plaisir. Déjà, t'as fait deux slots. Au final, du coup, t'as fait deux persos. Moi, j'imagine que je peux le mettre dans la même vidéo. Sinon, ça va peut-être faire doublon entre eux. Mais du coup, on fait quoi? Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du modding, je vous jure les gars, en ce moment, on va se mettre là. Oh bah non, on va rester là. Regardez, je vais m'agrandir deux secondes. Voilà, hop là, on est en scène Just Chatting. Au niveau du modding, il y a rien. Rien. C'est mort en ce moment, c'est mort, y'a rien. C'est terrible. Et... Ouah, VGM, il a changé. What the fuck? Attendez, VGM, il a changé, regardez. Oui, ça. Pour ceux qui connaissent pas, mais... Regardez, VGM, ça a changé. C'était pas comme ça, hein. Incroyable. Tu peux... Oh ouais, tu peux trier là. Ouais. On va pas se mentir, ils sont un petit peu inspirés de Nexus, hein, on va pas mentir. Mais bon, c'est pas... Vous préférez quoi, vous, VGM ou Nexus? Moi, je vous avoue que de tous les sites de modding, je préfère Nexus. Ouais, c'est mieux maintenant. Bah oui, c'est inspiré de Nexus. Non, puis même Nexus, ils ont leur launcher et tout. Mais ouais, non, j'aime bien. Mais en tout cas, en termes de modding, il y a que dalle. Ouais, VGM, ça a changé, c'est spécial. Ouais, moi aussi, Nexus, je préfère. Clairement. Ah, du coup, tu peux mettre le mieux noté. C'est quoi le mode le mieux noté de Mega Man X? Bah, j'y croyais pas, tu vois. j'y croirais pas. Le mieux noté, what the fuck. Faut regarder le plus téléchargé, en vrai. C'est plus propre et plus rapide au chargement. Apparemment, ouais. Plus rapide au chargement, ouais. Ah. Ah bah c'est New Transfo, évidemment. Plus téléchargé, ouais, ça va être les sites, ça va être les trucs utilitaires. Revamp, hein, quand même, qui est Revamp, qui va avoir bientôt sa mage. Ça, par contre, ça va être trop cool. Je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur Revamp. Hein. Je crois que la version... c'est quoi, c'est la version 5? Je sais plus. Je crois que la version 5, elle ajoute vraiment pas mal de persos, des trucs et tout. Ça va être... Il y a quoi dans la mage Revamp? Je sais pas si on peut aller sur leur site, vite fait. Je sais pas si on peut aller sur leur site. Ouais, ça, c'est un des plus gros problèmes de VGM, c'est que ça met 100 ans à charger. Du coup, ça se présente comme ça, les modes, maintenant. D'accord. C'est sympa. J'aime bien. Il y a un serveur Discord. Il est où, leur site? On peut pas accéder à leur site d'ici? Ouais. Ça me ramène où, ça? Non, c'est un doc. Ah, peut-être sur leur Twitter, remarque. Ce compte n'existe pas. Ah. Vache. Revamp... Non, mais en fait, c'est tout mon truc qui déconne, en fait. Et Opéra, je trouvais que c'était bien, et au final, ça pue sa mère, j'ai l'impression. Ça lag de fou, c'est une folie. Et j'ai trouvé. Tac. Alors, du coup, je vais me bouger. Ça sera peut-être mieux. Hop là. En vrai, il n'y a pas trop de news. Les seules news qu'on a, c'est quoi ça? Revamp CAC Overall. Quoi? C'est quoi ça? Oh, putain, la folie! En gros, selon les transfos, tu vas être plus ou moins musclé, mais c'est incroyable. Oh, c'est une folie. Ouais, ça marche, Kuzo. Wow, regardez, genre, t'es en SSJ Blue, c'est Blue Evo, ça. Il est plus musclé, alors qu'en God, il va être beaucoup plus fin. Wow, la folie. C'est stylé.
Après, voilà, on va avoir celle deuxième forme. Ça, ça va être stylé. Celle deuxième forme. On a un petit move set. Je crois que c'est pas non plus la folie furieuse. Ouais. Bon, il a du combo. Bon, ça, ils sont doués, Rivan, pour faire des trucs. T'as l'impression que c'est Vanilla. Trop stylé. Après, je pense qu'ils l'ont retravaillé, hein, parce que ça fait un moment, ça, qu'on l'a vu. Oh, le Big Bang Kudashu. Ok. Ah oh, non, il a l'air d'avoir... Non, mais c'est trop stylé. Le perso est... T'as l'impression que c'est Vanilla. C'est nimp. Olé. Ah, c'est son ulti, ça. Oh ouais, non mais c'est incroyable. Trop stylé. Et il y a d'autres persos, hein. Je crois qu'il va y avoir du délire, genre Zangia, va y avoir peut-être un Bojack, je crois, transfo. Je crois, ça parlait de ça. Après, je pense que si on va sur leur Discord, il y a plus d'infos. Mais ouais, non, très cool. Hein. Ils l'ont mis, ça. Genre dans la dernière match, il y a ça. 31 mai 2023. Genre, on l'a déjà, ça? Sur Revamp? Genre, si on se transforme, on a des cheveux différents? Bon, je suis pas sûr. On l'a, ça? Pas sûr. Normalement, oui, d'accord. Après, ça, c'est pas des coupes qu'on a dans le jeu, donc... Après, je crois que Rivan, puis peut-être, il propose des autres cheveux. Peut-être. Peut-être pour ça. Je sais pas. Il y a tellement de trucs avec Rivan. Non, c'est une folie. Vraiment, Rivan, c'est n'importe quoi. Hop. Yo, Q. Comment il va, le Q? Mon Dieu. Ah, folie. Bon, ça va bien. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se faire? On Kaista Rage, j'ai pas grand-chose à faire dessus. À moins que Kuzo ait fini, on peut partir sur un truc au pif. Normalement, c'est bon, vas-y, envoie Kuzo. Envoie, hein, moi je veux tester. Oh putain. Ça va être bien sympa. Et après, je sais pas. D'un côté, il faudrait react à full metal, mais d'un côté, j'ai la flemme. Ah oui, là, ok. Non, bah non. S'envoie, ah ok. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. I got it. Du coup, on va clear le bin pour éviter que tout soit cassé. On va tout clear. Comme ça, ça sera nickel. Parce que Legendaria Gwang est pas foutu de faire des mocks corrects. C'est quand même une folie, ça. Mais bon, les gens achètent quand même, donc forcément... Mais c'est une folie. Hein. Surtout que le mec a la grosse tête, vous imaginez même pas. Hein. Ça marche, Kuzo, ça marche. Hop. Voilà. Le potato de Jijika. Installed. Et on va rajouter les auras et les trucs jolis, parce que sinon c'est moche. Et on va ajouter Moro, puis je pense que ça suffira pour l'instant. Pour tester le perso, après on rajoutera des persos pour le tester. Mais là je veux pas mettre trop de mods, sinon tout va casser. Très dommage. Tac tac tac. Ouais, il a la grosse tête, bah... Pff. Le mec fait des trucs buggés et après il te dit
Ah, si vous voulez, je vous fais vos persos à vous pour 150 balles. Si un moveset custom, faudra compter 75 balles de plus. Bref. Tout ça pour qu'au final, t'as ton perso, mais c'est bien, tu peux pas jouer avec d'autres modes, parce que le moindre mode que tu veux installer, ça va le casser. Pas mal, hein. J'aime bien. 150 balles, ouais, et encore. Et encore. 150 balles, mais le perso est pas foufou, quoi. Il a le sens des affaires. Ah ouais. Clairement. Je suis pas sûr d'avoir installé Moro. €150, je pensais genre 5 max, 100 custom. Ah non, c'est 150, je crois, tu demandes qu'est-ce que tu veux. Mais si tu veux un custom moveset, il te fait 75 balles de plus. 75, est-ce qu'on se rend compte du délire, ça? 75 balles, le moveset. Et le mec, c'est le prix du jeu. Il se dit, mon truc, mon travail de merde, là, qui n'est pas compatible avec la 3 quarts des autres modes, ça mérite 75 balles. Le moveset, c'est plus cher que le jeu, de base. Genre, c'est... Donc oui, c'est clairement avoir la grosse tête ou vraiment être... dépasse pas 3 de QI, le bug. C'est chaud, hein. Non, parce que je crois que ça a tout cassé. Kuzo, bon, Kuzo, on testera plus tard, tu feras tes tests. Ah, on va partir sur autre chose. T'inquiète, Kuzo, fais tes tests dans ton coin, puis on testera pour la prochaine fois. Parce que de toute façon, la prochaine fois, pour l'instant, j'ai rien. Donc, garantie, prochain truc qu'on teste, c'est ton potato. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, y'a rien. T'inquiète, Kuzo, t'inquiète, y'a pas de soucis. Mais ouais, faudrait que je vous retrouve. Je sais pas si je peux vous le retrouver. Tac. C'est... Ah ouais, non, c'est... Tu vois ça, tu fais mais what the fuck. Est-ce que sur son Patreon, il l'a montré? Évidemment non, tu m'étonnes. C'est sur son Twitter. C'est posté sur son Twitter, remarque. 17 avril, 2 janvier, non, il met rien. Il met rien. Enfin, après 10 avril, ouais. Non, je sais pas, je l'avais vu sur... sur Discord, mais je sais pas où les gens sont allés le chercher. Ah, il poste que des vidéos, j'ai l'impression. Dans le salon Xeno 2, ouais, mais j'ai la flemme de montrer le Discord. Bon, au pire, je télécharge l'image. Aversenti. Sur son Discord ou je sais pas où. Enregistrer l'image. Regardez ça. Ça. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, en gros, il crée ton perso. Il crée ton perso, et j'imagine qu'il lui met des skills, etc. 150 balles. Donc qu'est-ce qu'il fait dedans? En gros, pour 150 balles, il te met les textures que tu veux, donc soit les textures de Xenoverse classiques, soit en cell shading, donc je sais pas. Hein. Ensuite, tu peux choisir le custom que tu veux, mais c'est un moveset vanilla. Donc tu peux choisir le moveset de gamin, le moveset de Broly. Tu choisis le moveset que tu veux, sauf qu'il faut qu'il soit vanilla. Tu peux avoir 6 couleurs de modèle, bon, ça à la limite, pourquoi pas. Tu peux avoir 6 transformations, donc j'imagine en fait, tu peux avoir 6 slots de ton perso. Tu peux avoir 6 slots de ton perso. Voilà.
Il peut te mettre une queue. Il y a un argument, c'est je peux installer la queue si vous voulez. Par exemple, si vous voulez une transfo en SSJ4, je peux mettre la queue. Et choose your base game moveset. Bah, du coup, c'est exactement le même truc qu'avant. Je comprends pas la dernière ligne. Et du coup, tout ça pour 150 balles. Donc, en gros, voilà. Il fait ce que tu peux faire toi-même, mais pour 150 balles. C'est genre, en gros, c'est comme si tu jouais aux Sims. Il te dit pour 150 balles, je te crée ta famille de Sims. Et après, tu peux jouer. Ok. Et du coup, après, tu as des extensions. Tu peux choisir un moveset custom, donc moveset... voilà, comme on voit de temps en temps, où ils sont spéciaux, les movesets modés, quoi. Ça coûte 75 balles de plus. Donc tu passes à 200... Je suis nul en maths. 225 si je dis pas de conneries. 225 juste parce que tu voulais un moveset custom. Ah, même pas 225 plus. Je sais pas. Bref, vous ferez le calcul vous-même, je suis nul en maths. Ah ouais, non mais le custom outfit... Mais quoi? Ah ouais, non mais attendez, je croyais que dans les 150 balles, t'avais au moins une tenue modée. Custom outfit... Bah, ou alors c'est une tenue que toi-même tu veux. Que toi-même tu dirais, ah bah j'aimerais bien une tenue qui ressemble à celle de Trunks du film BoJack, mais en armure, enfin un truc comme ça, j'imagine. J'imagine. Mais du coup, si dans le truc à 150 balles, enfin, j'espère au moins que dans le truc à 150 balles, tu peux choisir des tenues que lui-même a créées avant. Pas forcément que toi tu voudrais, mais que lui il a créé avant, parce que sinon c'est chaud, hein. Et 100 balles les cheveux. 100 balles des custom cheveux. Même pas. Non mais... Ah, le mec a faim. Hein. Le mec a faim. J'espère qu'il a au moins un crédit étudiant à rembourser. Au moins, j'espère. Non mais... Ah, ça fait 350, je crois. 350 balles. Pour avoir 6 slots de perso. Qui, je le rappelle, parce que c'est Legendary Agong, qui, je le rappelle, si vous prenez ça, dites-vous que ça vous coûtera 350 balles pour ne pas pouvoir jouer avec Revamp, ne pas pouvoir jouer avec 3 quarts des mods, avoir des crashs très souvent, et avoir des trucs qui cassent très souvent, et le pire du pire, le plus important, peut-être... La moindre mise à jour peut casser ton truc à 350 balles. La moindre mise à jour. Voilà. Et ça m'étonnerait qu'ils remboursent toutes les gens qui auraient payé 350 balles pour refaire le installeur, etc. Qui fera que ça marchera une nouvelle fois. Ah non, mais moi, les gars, je vous le dis, hein, je n'achète aucun mod. Hein. Tous les mods que je vous montre qui sont payants, je ne les achète pas. J'ai payé... Je crois deux fois des mods. Je crois deux fois. Mais encore, hein, ça coûtait pas plus de 15 balles. Hein. Et il n'y avait pas qu'un mod. C'est... Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Ah non, il y a très 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 fin, là. Re-antilope. Re-re-re. Donc, bah voilà. C'est. Si vous voulez, bah. Non, mais moi. Enfin. Tu demandes à des gens de la commu, tu le demandes gentiment, ils te le font gratis. Hein. Genre. Puis dites-vous que ça lui prend pas des heures à faire. À la limite, les extensions, à la limite, ça peut prendre du temps. Mais sinon, le truc à 150 balles, ça lui prend 10 minutes grand max. Hein.
Enfin, après, peut-être que lui, il va galérer, vu que c'est ses modes à lui et qu'ils sont zéro compatibles avec tous les trucs du jeu. Peut-être qu'il va galérer avec ses propres modes et qu'il va se rendre compte que c'est de la merde, mais c'est une autre histoire. En live, la première fois, il m'a dit... Ah, tu lui as déjà parlé, Wheezy? Tu lui as déjà parlé? Il m'a dit $350, j'ai sauté de la chaise. Non mais limite, là, il faut faire un devis, quoi. À ce prix-là, le mec, il va te faire un devis pour un jeu. Hein. Pour un mode à la con d'un jeu. Va avoir un devis, s'il vous plaît. Je vais voir si c'est moins cher ailleurs, quand même, parce que c'est chaud, là. Ah là là. Non mais voilà, les modeurs. Et après ça s'étonne. Mes modes ils leak et du coup personne achète. À ce prix-là, tu m'étonnes. Surtout que lui, je crois, si on va voir son Patreon, il est déjà rien que son Patreon, ça coûte une blinde. On va regarder vite fait. Je crois que c'est une blinde, lui. Mais j'ai déjà vu des gens d'acheter. J'ai connu des gens qui étaient sur le serve à l'époque qui ont acheté ces trucs. Après, je ne juge pas, hein. Si vous avez les sous pour le faire, faites-le. Hein. Mais perso, je trouve que c'est une erreur. Non, ça va, c'est pas lui qui coûte une blinde, ça va. Non, ça va, j'ai cru que c'était lui. Ça va, alors. Son Patreon est accessible, on va dire. Quoique, là, je vois un truc à 100 balles. Ouais, non, en fait, je sens qu'il y a une douille. Il y a une douille. Ouais, c'est le 100 balles, hein, ouais, faut... C'est en gros, il y a un truc à 10 balles. Hop. Je monte ça. En gros, il y a un truc à 10 balles. Hop. Ça coûte 10 balles. Mais en gros, t'as la petite ligne qui dit tu as accès au mode seulement sur Patreon. C'est seulement les modes que tu vas pouvoir voir là dans sa liste, etc. Pas, donc ça se trouve, ses meilleurs modes ne sont pas sur son Patreon, mais sont sur son Discord. Mais du coup, pour avoir les autres, peut-être les plus intéressants, il faudra payer 97 balles par mois. Donc après, ça se trouve, lui, il fait un truc, c'est illimité une fois que tu l'as, hein, mais... Voilà. Le maudit de Xenoverse 2. C'est sympa. Après, je vous aurais bien montré un autre jeu qui, au niveau du modding, est absolument délicieux, mais malheureusement, c'est Cyberpunk et il y a 80% de meufs à poil, donc on va éviter. On va pas le faire. Mais il y a des modes bien. Il hein. Y a pas que du cul. Mais c'est je sais pas si c'est à cause des gachas et tout que du coup les modeurs se disent ouais c'est des gigapigeons les gens qui jouent à des jeux d'animé manga et du coup on peut leur prendre de la thune parce que fan service. Je sais pas. Ouais non c'est ça Wheezy. Hein. C'est ça. Hein. Mais je sais pas si les modeurs ont le recul nécessaire pour se dire déjà qu'ils sont plus chers que des DLC. Certains sont plus chers que le jeu eux-mêmes. Non, c'est prendre les gens pour des cons à ce niveau-là. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ah bah oui, de toute façon, si ça marchait pas, ils le feraient pas. Hein. Là, tu regardes... tu peux le voir, il a combien de membres payants. Membres payants, il en a 484, hein. Donc, rien que s'ils prenaient tous le truc à 10 balles, bah ça lui fait 4000 balles par mois, hein, dans tous les cas. Il y a des gens qui achètent quand même. Hein. Donc, imagine si des gens ont pris le truc à 100 balles, bah c'est bien. Hein. Dans tous les cas. Et le mec se fait 4000 balles, mais je pense que c'est plus.
Le mec se fait 4000 balles et ses bots sont détruisent tous les autres, quoi. C'est ça qui est fou. Mais bon, s'il y a des gens qui le font, c'est... Ah, c'est chaud. Ouais, ouais, bah heureusement que les mods sont cool derrière, encore. Des fois, pour le prix que ça coûte, c'est limite de l'arnaque. Il y en a, tu vois, ils font payer leur Patreon, mais sur la centaine de mods qu'ils ont créés, il y en a trois qui valent vraiment le coup. Parce que le reste, ça va être des modèles que t'as déjà vus ailleurs, des techniques que t'as déjà vues ailleurs. Ça va être juste un melting pot de plein d'autres mods, gratuits ou non, et voilà, et il te le fait payer 80 balles, quoi. Ah, mais c'est une forme d'arnaque, hein. C'est, ouais, donc c'est compliqué. Donc voilà. Faites gaffe, mais bon, je pense que la plupart qui sont dans le chat, vous ne subissez pas ces trucs-là. Pas limite, c'est de l'arnaque. Ah ouais, mais c'est fou quand même que... j'ai l'impression que c'est que les mods payants. Enfin, est-ce que sur Skyrim, il y a la même chose? C'est ça que je me demande. Est-ce que sur les trucs comme ça, il y a pareil ou pas? Alors, je sais pas. Genre, Cyberpunk, il n'y a pas tout ça. Ou alors peut-être qu'il y en a des mods payants, mais c'est 3% des mods de Cyberpunk. Alors que là, les plus gros mods, les mods les plus intéressants qu'on va avoir, ça va être des mods payants. Les seuls mods qui valent le coup gratis, qui sont vraiment ultra quali, ça va être que certains modeurs, genre Unleashed, Paradise Flame, des trucs comme ça. Après, ça va être Revamp, New Transfo, et peut-être 2-3 que j'aurais oublié, mais sinon tout le reste c'est du mode payant. C'est... Ouais, non, c'est... Je ne saurais définir. Donc voilà. Après, bon, le business est là, hein, il est installé. Même Kakarot, il n'y a pas ça. Enfin, après, Kakarot, c'est plus dur à modder. Donc voilà. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que c'est tellement facile à modder. Les gens, ils ont vu le filon, ils ont fait « Allez, on y va. » Et du coup, bah... On se retrouve avec des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Après, heureusement qu'il y a la qualité derrière. C'est parce que si tu fais payer, en plus, c'est pas quali, bon... Compliqué. Bon, qu'est-ce que nous faisons? Putain, on est déjà à 2h18, remarque. Ça file. Hop. C'est une dernière fois, t'inquiète, cousin. Prends ton temps maintenant, je pense qu'on va pas retourner sur Xeno.